venus sur cette terre pour écouter la voix de William Branham. Tu nous as manifesté en ce temps de la fin, en nous faisant correspondre à notre identité. Et ce matin, Seigneur, alors que tes enfants sont debout, après avoir écouté le maître de l'âge, après avoir écouté le chef de la terre, nous allons maintenant, Seigneur, l'écouter d'une manière prolongée. D'une manière prolongée. Dans l'âme des Éphésiens 4. Nous venons à toi, Seigneur. Amen. Tu as déjà pris les fardeaux de tes enfants. Tu les as déjà allégés de tout ce qui les obsédait. Tu as préparé leur cœur. Et la semence est entrée. Regardez que cette semence, Seigneur, se manifeste. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est notre jour. Aujourd'hui, c'est ton temps. Aujourd'hui, c'est notre temps. Père, merci pour ta présence au milieu de nous. Alléluia. Merci pour nous avoir accompagnés depuis le temps que nous sommes arrivés ici. Alléluia. Et jusqu'au moment où nous sommes en train d'écouter. Manifeste-toi encore une fois dans la puissance de ta résurrection. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous asseoir. Tu peux. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. En entrant là-bas, j'ai senti une douceur. Alléluia. Le pasteur n'appelle pas l'interprète. Quand vous voyez le pasteur à la chaîne, l'interprète se pointe à la chaîne. Frère, viens. Nous avons cette douceur. Que le Seigneur nous donne ce matin. Amen. Amen. Le pasteur Eric rentre aujourd'hui. Mais il était prévu qu'il serve le Seigneur chez le pasteur avant. Et il venait finir ici. Dieu voulant, il prendra son vol à 4h, 3h du matin. Alors, comme nous sommes gourmands, nous nous sommes dit, la partie restante, c'est nous qui allons la prendre. Nous sommes gourmands. Alors, la partie restante, nous la sommes réservée. Je veux prier, demander aux frères d'être patients. Nous allons adorer le Seigneur en écoutant la parole. Comme vous avez été patients, écoutez la voix de Dieu au début. J'ai prévu ça. J'ai prévu que vous écoutiez d'abord Florent parler. Au lieu de rester en train de chanter, de crier, de témoigner, que la voix de Dieu soit donnée. Est-ce que vous avez aimé ça? Amen. Vous avez aimé? Amen. Je sens que vous l'avez aimé. Amen. Avez-vous apprécié le moment que le pasteur Eric a passé avec nous ici? Amen. Si vous avez apprécié cela, vous faites clamer le Seigneur. Merci Seigneur, c'est un puissant prédicateur. Il prêche bien la parole. Et il va rentrer bientôt, ne vous en faites pas. Et il sera avec nous ici. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont venus l'écouter. Je vois le pasteur Dani, Dieu bénisse. Je vois le pasteur Sami, Dieu te bénisse. Lui est avec nous tous les temps.
Je vois tous les frères que le Seigneur vous bénisse. On va chanter un cantique et puis nous accueillons à la chaîne. Amen. Amen. 233, je trouvais en Jésus l'ami. Il est le Lys de la vallée, et en lui c'est oh, il m'aurait confort, Seigneur, de t'entendre parler, Seigneur. Seigneur, où est cette congrégation? Où est les prédicateurs, Seigneur? Est-ce que tout ce que nous allons faire ici puisse te donner gloire et honneur? Est-ce que la gloire te soit rendue dans le nom précieux de Jésus? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir un instant. Aujourd'hui, ça sera mon dernier sermon
pour ce voyage. C'est ma première fois à Goma. Mais j'ai aimé. J'ai compris que le Congo est grand. Grand et riche. Pas riche en diamant. Pas riche en uranium. Mais riche en semences prédestinées. J'ai senti l'amour de la parole dans le cœur des enfants de Dieu ici. Tout ce que je peux dire, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. C'est cette nuit que je vais prendre mon vol. Pour retourner chez moi. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas vu mon église. 2 semaines que je n'ai pas vu mon épouse. Il me manque déjà. Mais je vous promets, si Dieu nous garde en vie, je reviendrai entre septembre et octobre. Et septembre, octobre ne sera pas la dernière fois. Et je commencerai à venir. Parce que je sens dans mon cœur que je dois soutenir cet homme de Dieu. Et lui aussi doit venir là-bas pour nous soutenir. Vous le permettez? Il faut qu'il vienne là-bas. Je vais lui faire la pression. Jusqu'à ce qu'il vienne là-bas. Amen. Maintenant debout. Nous allons lire la Bible. La Bible. Luc 17, Luca 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, vivaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint. Seigneur, bénis la lecture de ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous vous asseoir, que Dieu vous bénisse. La Bible dit, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le déluge vint. Après Noé, il n'y avait personne. Après Noé, c'était le déluge. Qui est Noé? William Branham. William Branham. L'âge type de Christ. Il est Safina. Le dernier élu qui entre en Christ. C'est Noé. Qui est Noé? Frère Branham. Parce que le dernier est lui. Il est entré avant que l'agneau puisse quitter le trône. Et l'agneau. Là, je suis en train de continuer. Je suis dans la dernière manifestation du Fils de l'homme. Et le dernier est lui. S'il n'était pas encore racheté, l'agneau n'allait pas quitter le trône parce qu'il était sacrificateur. Mais quand il change sa dispensation, il devient un lion, ce n'est plus pour racheter. S'il y a de ceux-là qui ne sont pas rachetés, ceux qui ne laisseront plus jamais. Parce que l'agneau n'est plus sur le trône pour intercéder. Pourquoi? Parce que le livre est déjà ouvert. Ce livre est ouvert en dehors des âges. Parce qu'on a dit à Jean, monte. Et Jean est monté. Jean n'est pas monté pour aller manger. Jean est monté pour aller voir les livres scellés de cette chose. Apocalypse chapitre 4. Jean monte. Apocalypse chapitre 5. Les livres fermés.
Après chapitre 6, on commence à briser les seaux. Ah, quand on brise les seaux, nous voyons nulle part où Jaël est descendu. Après sa montée dans Apocalypse chapitre 4. Donc les seaux étaient ouverts au ciel. Et quand Jean pleurait, quand on lui a dit d'arrêter de pleurer, que le lion de la tribu de Juda avait vaincu pour ouvrir le livre et c'est une chose. Et quand Jean retourne, au lieu de voir le lion, il voit l'agneau. Amen. Donc l'ancien a dit la lion. Mais Jean lui il voit quoi? L'agneau. Amen. Qui dit vrai? Jean, Johanna ou l'ancien? Ils ont dit exactement la même chose. Parce que Jean avait vu un agneau. Pas immolé, mais comme immolé. Cela veut dire que c'était un agneau sans plus sûr, mais il avait en lui le sang. C'est la vie sauvée. Le sang, c'est la vie sauvée. Le sang du premier agneau. Qui était blessé? Converse dans l'agneau. Qui était dans les anges de l'église? Qui était l'agneau à cette corde? Et quand il vient, il a accompli le travail. Mais quand il vient cette fois-là, c'était un agneau, mais transformé en lion. Parce qu'il a changé sa disposition. Très important. Jésus vient sous forme. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Et après, il vient. Fils de Dieu. Après, Nakisha, fils de David. Amen. Ok. Amen. Ok. Trois venus. Maudit au David. Fils de l'homme. Dans les trois ans et demi. Fils de Dieu. Dans les âges. Dans les âges de ma. Amen. Amen. Et fils de David, dans le millénium. Et le temps nous dit qu'il a traversé les âges de l'église comme le fils de Dieu. Et le frère Branham a manifesté le fils de l'homme. Amen. Très bien. Maintenant, est-ce que le ministère du fils de l'homme, est-ce que William Branham l'a manifesté dans les âges? William Branham a dit dans la visage. Puisque dit, que dans les âges, il est le fils de Dieu. Si il est le fils de l'homme, dans les âges, ça va briser le plan. Il t'a voulu un pango à Mungu. Écoutez. Dieu dévoilé. 69. Ensuite, après que le Saint-Esprit est venu, il était le Fils de Dieu. Dieu était l'Esprit. Il a traversé les âges de l'Église en tant que Fils de Dieu. Vous allez avec moi. Le schéma de Daniel. Il est chapeau à Daniel. Je prends ici 3 ans et demi. Je prends les 7 âges de l'église. On décide comme frère Branham le dit. Il dit ici, il était qui? Le fils de Dieu. Amen. 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 Et ici, il était le fils de l'homme. Vous êtes avec moi? Amen. Donc il devait encore revenir comme en tant que fils de l'homme. Mais comme il traverse les âges comme fils de Dieu, donc le fils de l'homme qui revient ne sera pas dans les âges de l'église. Ça sera en dehors des âges. Est-ce que avez-vous vu le fils de l'homme? Si oui,
Ce qui veut dire, il a déjà fini les âges. Parce que le Fils de l'homme dans les âges de l'église, c'est faux. Et aujourd'hui, c'est lui qui a manifesté le Fils de l'homme. Il est déjà parti. Oh Dieu, ne peut pas retirer son serviteur avant qu'il finisse le travail. Donc, même le ministère du Fils de l'homme, c'est du passé. Qui vient? C'est le fils de David. Amen. Il est le fils de David où? Amen. Dans le millénium. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est clair, non? Oui. On va dire. Nous les rendons simples. Quand nous disons que nous sommes dans l'éternité, ce n'est pas de la blague. Nous sommes en train de dire amen à la parole qu'a prêché William. Parce que c'est lui qui a eu la commission de nous amener la parole. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Fils de l'homme qui vient en dehors des âges, il vient pour accomplir les derniers 3 ans et demi. Je remercie Dieu pour cet enseignant ici. Vous vous rappelez les 70 semaines de Daniel. Pasteur, filmez ce que vous prêchez. Et que les gens puissent suivre ça. Calmement dans la maison. Parce que les 70 semaines de Daniel, c'est très important pour le croyant. Une église qui n'apporte pas les 70 semaines de Daniel, c'est une église pentecôtiste. Je vous dis ce qui est vrai. Amen. Parce que ce livre, chaque croyant du message doit le maîtriser. Parce que si vous ne le maîtrisez pas, vous n'allez pas comprendre le saut. Comment dire que les sauts sont ouverts quand vous êtes dans la Odyssée? Possible. Les sons ne sont pas ouverts dans la Odyssée. C'est en dehors des âges. Et dans le dernier âge, lorsqu'il vient comme fils de l'homme, fils de Dieu, quand il sonne la trompette, cela provoque une résurrection. Quelle résurrection? On attend encore les gens. Jésus a dit aux disciples, si vous croyez en moi, vous êtes passé de la mort à la vie. Vous ne verrez point la mort. Après quelques années, Pierre est mort. Jésus a menti. Non, monsieur. Mais cela dépend de ce que vous vous appelez la mort. Ainsi que la résurrection. Frère Branham me dit que les tombes vont s'ouvrir. Oui, c'est vrai. Mais pas de la manière dont vous dites tu viens. Ce n'est pas de cette manière-là. Dieu n'enverra pas les anges avec des pelles pour aller déterrer les ossements. Qu'est-ce que Dieu va faire avec ça? Dieu va prononcer la parole. L'homme sera là. Parce que c'est quand est venu par les moyens de Ève et Satan. Pour commencer, même un petit bébé, c'est un péché. Amen. On pose la question, frère Branham. Frère Branham, est-ce qu'un bébé, s'il meurt, il ira au ciel? Il dit oui. Parce qu'il n'a pas encore l'âge de raison. En 64, on répond la même question. Frère Branham, si un bébé meurt, il ira-t-il au ciel? Frère Branham change la réponse. S'il a la semence prédestinée. Parce que Jézabel était Jézabel depuis le berceau. C'était déjà une semence de Satan. Mais c'est encore un bébé. Il s'agit de la semence prédestinée. Les tombes vont s'ouvrir. Mais pas de la manière dont vous dites s'ouvrir. Et quand on dit de la manière dont nous disons s'ouvrir, c'est comment? C'est la résurrection de Michael Jackson. Vous avez été embrouillé par des films et des enlèvements. Les gens qui disparaissent. Et il y a des affaires qui tombent. Ce n'est pas comme ça. Dieu ne peut pas révéler sa parole à YouTube. Dieu révèle sa parole.
aux prophètes. Dans ces prophètes. Amen, 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 amen. Et si un prédicateur ne répète pas le prophète, il ne peut pas révéler la parole. Amen, amen. Dans les trois ans et demi, il y a la tribulation. Amen. 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 Dans les trois ans et demi, il y a 144 000. Tous ces événements, c'est condensé dans les trois ans et demi. Dans les trois ans et demi, il y a la fête des noces. Où? Au ciel. C'est au même moment. Quand j'ai pris l'avion, quand j'étais là en haut, quand je regarde en bas, je ne vois que les nuages. Mais sur la terre, il y avait des gens qui marchaient. Il y avait des gens qui faisaient leur vie. Pourquoi moi j'étais dans les airs. Quand j'ai monté, les autres sont restés. Oui, oui. La vie continue. Mais le papa me dit, ils continueront à aller à l'église. Et comme si rien ne s'est passé. Mais Jean était déjà dans les lieux célestes en Christ. Amen. Dans la position en Christ. C'est ça les lieux, notre lieu céleste en Christ. Un être double, un du ciel, qui vit éternellement, et un de la terre pour mourir. Et c'est comme votre ouvrage. Quand vous marchez, vous marchez avec lui. Quand les gens regardent, c'est un homme. Il a des erreurs. Mais en vous, c'est la divinité. Et la parole de Dieu ne concerne pas l'homme de la chair. La seule promesse pour lui, la guérison divine. Tout ce qui reste, tout ce que cette chair peut faire, c'est de vous embrouiller. Voilà pourquoi Abraham me dit, c'est la vérité. William Branham, un homme propre, saint, qui voulait bien, mais il était quand même l'ennemi de William Branham. Il cherchait l'ennemi du pasteur Jules. C'est passé sur lui-même. À partir d'aujourd'hui, ne cherchez pas l'ennemi ailleurs. Votre ennemi, c'est vous-même. C'est la vérité. Voilà pourquoi nous les donnons à manger. Nous prenons soin de lui. Parce que nous amassons le charbon en dedans. Parce qu'il va exploser. À bientôt, Poutine. Poutine va entrer en action. Il va appuyer sur le bouton. Mon ennemi qui est devant vous ici, il va exploser. Oh, quel est ce chat-là? Qui se réjouit quand on parle de la mort? C'est ce qui n'ont fait pas les choses. Alléluia. C'est le diable qui vous fait peur. En vous disant que la mort c'est mauvais. Oui. Il y a la mort prématurée qui existe. Ça, nous n'aimons pas. Mais si Dieu finit avec moi, c'est une joie pour moi. Amen. Parce que la mort m'éteint. Amen. Frère bien-aimé, la mort, c'est la dernière prise de l'ennemi. Quand il vous amène là, c'est pour vous faire peur. Dis-lui Satan, moi je n'ai pas peur de la mort. Dans la théophanie, un corps qui n'est pas loin, qui est ici déjà. Oh, ici, nous ne sommes pas dans le futurisme. Nous vous disons les choses présentes. Notre demeure, notre futur, notre demeure présente. Amen. La ville de Berlin et de lumière existe dans les hôtels. Pas là-bas. Maintenant. Cette ville de la nouvelle Jérusalem. Repartez en arrière. Vous allez voir sur le fleuve Jourdain quand la ville est descendue dans une terre rachetée qui était le Seigneur Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Et cette ville est descendue sous forme d'une colombe. Vous pouvez voir ça. C'est là la demeure future. Si vous comprenez ça, vous voyez que la ville est descendue sous la terre rachetée. Vous allez voir aujourd'hui comment est-ce que la ville descend. Parce que la ville, c'est une épouse. Parce que Jean, on lui a dit, monte ici, je vais te montrer la ville sainte, la femme de l'agneau. La femme de l'agneau. Quelle est cette ville-là? Il est une ville à la fois une femme. Voici la ville. La sœur Lorraine. La sœur Lorraine. C'est la ville sainte. La femme de l'agneau. Parce que elle est une couronne à la tête de son mari. Qui est mon mari? L'épouse. Bibi Arousi. Bibi Arousi. Dans les 3 ans et demi, il y a la paix de 144 000. Et dans les 3 ans et demi, c'est la fête de l'Antéchrist. Pourquoi il finit là? Je vous ai dit la fois passée, parce qu'il avait 4 chevaux. Son dernier cheval, c'était le cheval pâle, qui était la mort. Quand il arrive à son dernier cheval, c'est fini pour lui. Il arrive à sa fin. Et là maintenant, il doit être dévoilé. Qui est l'Antéchrist? Ce ne sont pas les barcodes. Les pistes qu'on va mettre ici. Non, monsieur. La marque de la bête, c'est la mauvaise position de la parole. La marque de la bête, au fond, c'est une mauvaise compréhension de la parole. Et la marque de la bête s'est passée dans les sages de l'église, dans les ministères du Fils de Dieu. Quand on arrive dans le Fils de l'homme, la marque de la bête, c'est du passé. Dans les 3 ans et demi, tous les événements se passent là. Voilà la chose qui a brûlé les gens. Voilà, ces 3 ans et demi, il est le Fils de l'homme. Si vous voyez le Fils de l'homme, sachez que tout ça, ça se passe là. Donc la tribulation, la paix de 144 000, les noces, se passe là. Amen. Parce que quand Jean est monté, c'est là où il est passé les noces. Il est resté là-bas jusqu'à ce que le Seigneur Madame nous dit, il est descendu dans Apocalypse chapitre 19. Daniel 7 et 9. On voit l'ancien des jours qui est là avec des livres. Le Père Madame dira, les deux livres de vie, c'est vous-même. Les livres de vie, c'est votre corps. Et le livre de vie de l'agneau, c'est Matthieu Fali. Amen, amen. Et quand on parle de livre, ce n'est pas ça. Le livre, c'est vous-même. Parce que la Bible dit, dans le livre des Hébreux, il était le rouleau du livre. C'est Jésus qui était le rouleau. C'est lui qui est le livre. C'est ce que vous êtes. Quand il descend, dans l'Apocalypse chapitre 7, dans Daniel 7, 9, le livre vient ouvert pour se chercher. Et le frère Madame prend ça. Il va relier ça avec Apocalypse chapitre 20. Qu'est-ce que nous voyons là-bas? C'est le jugement. Amen. 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 Les femmes dit ceci. Nous voulons se marier. Dans les fils de Dieu manifestés. Il dit, je ne boirai plus désormais le fruit de la vigne. Et je n'en mangerai plus. Jusqu'au jour où je mangerai du nouveau. Avec vous. Où? Dans le royaume de mon père. Virgule. Les soupers de noces. Amen. On va parler de la venue du royaume. Il était le troisième dessein.
La venue du royaume, qui était le troisième dessin. Le frère Branham est parti loin. Il dit qu'en ce jour-là, dans le royaume, nous boirons les fruits, les sang du raisin. Il dit pourquoi c'est nous le prenons? Il dit parce que nous avons été vainqueurs. Il dit nous le prendrons quand nous réapparaîtrons avec lui. Dans le royaume. Amen. Amen. Il dit ceci. Le royaume de mon père, les soupers de noces, au cours de 3 ans et demi, où l'Antichrist termine son règne. C'est la même moi. Au cours de 3 ans et demi, où l'Antichrist termine son règne. C'est ça que nous avons dit. Je te disais. Après le sage de l'église, le diable n'a aucune puissance. Dans les 3 ans et demi, l'Antichrist termine son cours de la course. Dans le ministère du 3 ans et demi, c'est ici que qu'il y a la fin de l'Antichrist. Amen. 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 L'Antichrist est dévoilé. Oui, monsieur. Le frère Branham dit ceci. Tu vas passer la vie. Dans Dieu dévoilé. Il est mobile, mon gars, est fournu. Il dit maintenant, ça. Souvenez-vous, entre le Fils de Dieu, dans l'âge de l'Église de l'Odyssée, ils l'ont mis à la porte. Ils l'ont mis où? Qui est Jésus? Yesu, c'est la parole. Et le frère Branham dira, sous le sixième sceau, les pentecôtistes ont rejeté la Bible. Ouais, tu la Bible. Vrai. Ils ont toujours la Bible. Quoi, la Bible? Mais ils l'ont rejeté. Cela dépend de ce que vous appelez la Bible. C'est quoi la Bible? La Bible, c'est la parole. C'est le prophète. Ils ont chassé la Bible. Vous ne croyez pas William Branham? Vous rejetez la Bible. Correct. Oui, c'est vrai. Vous ne voyez pas le message de votre jour. Vous rejetez la Bible. Quand la parole de Dieu, c'est la parole révélée dans votre jour. Amen. Amen. Le frère Branham me dit, si je vous apporte un message pentecôtiste, je serai dans la Odyssée. Et ce ne serait pas juste. Amen. Dire que le frère Branham est mort dans la Odyssée, c'est l'insulter. Parce que son devoir était de nous faire sortir de la Odyssée. Qui est cet irresponsable? Il va faire sortir les gens de la Odyssée. Et lui-même il reste. Il devait d'abord sortir. Et il nous appelle en dehors de la Odyssée. Parce que c'est lui qui appelle les gens à sortir de Babylone. Et en dehors de Babylone. Amen. Il dit ceci, Dieu est dévoilé. 71, 71. Dans l'âge de l'église de la Odyssée, ils l'ont mis à la porte. Et dans Luc, il a dit qu'il allait de nouveau être révélé comme fils de l'homme. Virgule, les prophètes accomplissant ainsi ce qui restait. Le prophète accomplissant ce qui restait. Qu'est-ce qui restait? C'était les 3 ans et demi. Pour accomplir la 70e semaine. Parce que le Fils de l'homme ne vient pas deux fois. Une seule fois. Parce que Branham nous a dit qu'il vient sous trois noms. Pourquoi est-ce que le Fils de l'homme doit revenir deux fois? Parce que son ministère, dans la première moitié de la semaine, a été interrompu. Pourquoi? Pour nous racheter. Il est venu sur le ciel. Le ciel a le point reçu. Et il nous a donné
le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsqu'il a été rejeté, c'est là où Daniel parle du oint retranché. Il a commencé les âges de l'Église. Et il revient dans le ministère du Fils de l'homme, juste dans les plus tard, de finir la 70e semaine. Vous êtes avec moi? Amen. Ça, c'est la 70e semaine. C'était la semaine mystérieuse. Parce que Dieu serait injuste s'il ne revient pas pour accomplir la dernière semaine. Voilà pourquoi le Fils de l'homme revient deux fois. Mais en réalité, il ne revient pas deux fois. Il ne revient qu'une seule fois. Mais le Fils de l'homme, ce n'est pas notre ministère. C'est le ministère des Juifs. Pour nous, le ministère, c'est le Fils de Dieu. Amen. Dans les âges de l'Église. Quand il revient, comme le ministère, dans le ministère du Fils de l'homme, c'est pour les Juifs. Amen. Amen. Donc le Fils de l'homme, les prophètes, accomplissant ainsi ce qui restait. Vous voyez, les Écritures se tiennent parfaitement. Il est venu pour accomplir la dernière moitié de la 70e semaine. Les Écritures se tiennent parfaitement. Fils de l'homme, Fils de Dieu et Fils de David. Qu'est-ce que c'était? Le même Dieu tout le temps. Il change seulement les formes. Quand William Branham avait aussi le ministère de la pierre de fer. Il a dit que beaucoup de véritables serviteurs manqueront de saisir ces prophètes. Parce que ces prophètes avaient plusieurs ministères. Il avait en lui le ministère du Fils de l'homme. Il avait en lui le ministère du Fils de Dieu. Il avait en lui le ministère de la pierre de fer. Il ne devait pas quitter la scène avant que la pierre de fer puisse descendre. Parce que c'était ça son ministère. Qu'est-ce que c'était? C'était le même Dieu. Tout le temps, il change seulement de forme. Il fait seulement ce changement-là. Pour lui, c'est une grande pièce. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il y revient comme Fils de l'homme. Et puis de là, en Fils de David. Vous voyez comme nous en sommes proches. Fils de l'homme, Fils de David, Fils de Dieu. Il est révélé dans les derniers jours comme Fils de l'homme. C'est l'homme Malachi 4. Qui est Malachi chapitre 4? C'est William Branham. C'est l'homme Malachi 4. Il est révélé comme Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est en dehors. Parce que dans les âges, c'est le Fils de Dieu. Selon William Branham. Le de voler, c'est en terre. Il dit ceci. Selon Malachi 4 et toutes les autres prophéties qui se rapportent à cette heure, il ne traite plus avec l'Église après qu'ils l'ont mis à la porte. Voici, je me tiens et je frappe. Il est en dehors. Il nous appelle à sortir. Et en ce moment-là, il ne traite plus à l'Église. Il est dehors. Si vous avez besoin de lui, vous sortez. Allez le trouver en dehors. Allez au-delà du temps. Il est à l'extérieur. Il frappe à la porte. Il reste encore des semences prédestinées à l'intérieur. À l'intérieur, il y a encore la semence prédestinée. Parce que
Le salut, c'est par prédestination. Mais dans la Éphèse, tout celui qui avait cru le message de Paul, c'était que le prédestiné. Parce que le frère Bonhomme me dit, dans sa prière, il dit Seigneur Dieu, rachète les rachetables. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas rachetables. Il dit ça en anglais. Il dit ça en anglais. Please Lord, save the savable. Amen. Rachète les rachetables. Il y a des gens dans la rue qui ne sont pas rachetables. Et le frère Bonhomme me dit, regardez-les comme les objets de pitié. Parce que le salut, c'est par prédestination. C'est Dieu qui vous choisit. Et quand il est en dehors de l'Odyssée, il appelle les gens à le suivre comme les petits troupes d'Abraham qui n'étaient pas à Sodome. Parce qu'à Sodome, c'était Oral Robert et Billy Graham. Il ne prêchait pas, mais il frappait d'aveuglement. Donc, il y a des prédications qui frappent d'aveuglement. Les pentecôtistes, quand ils prêchent, ce n'est pas pour le salut, mais c'est l'aveuglement. Ce ne sont pas les églises de réveil, ce sont les églises de sommeil. Parce que le frère Bonhomme nous a parlé de réveil. Un réveil, c'est quoi? Un réveil, c'est quelque chose qui était endormi, mais qui se réveille. Et un jour, un monsieur père est parti au pays de Galles. Il dit, je cherche le réveil du pays de Galles. Il avait un militaire qui était en train de siffler un cantique. Il dit, s'il te plaît, monsieur, montre-moi le réveil du pays de Galles. Il dit, oh monsieur, je suis moi-même le réveil du pays de Galles. Le réveil, ce n'est pas un grand mouvement. Le réveil, c'est vous. Vous écoutez la parole de Dieu. Même ici, il y a un sauvé. Le réveil a eu lieu. C'est ça le réveil. Le réveil, ce n'est pas une grande campagne d'évangélisation. Oui, c'est bien. Mais le but de la campagne, c'est pour réveiller quelques semences à dormir. C'est ça le message de Branham. Il dit ceci. Il reste encore des semences prédestinées à l'intérieur qui doivent sortir. Amen. Amen. Écoutez maintenant. Question réponse. Soit il y a numéro de prêcher à Jeffersonville. Le 23 août 64. Je ne suis pas lui. Je ne suis pas lui. Amen. Lui-même il dit qu'il n'est pas lui. Mais pourquoi vous voulez dire que c'est lui? Ce n'est pas lui. Amen. Je suis son serviteur. Amen. Et la colonne de fer n'est pas lui. C'est la forme esprit. Vous voyez, qui a été sur le fils de l'homme. Donc le fils de l'homme, ce n'est pas un homme. Le fils de l'homme, ce n'est pas la colonne de feu. Mais le fils de l'homme, l'homme est la colonne de feu. Est-ce que vous avez la colonne de Dieu? Avez-vous oui un homme? Mettez-les ensemble. C'est le ministère du fils de l'homme. C'était l'accomplissement du deuxième dessin qui devait être égal à l'accomplissement du premier dessin. Dans le premier dessin, Jésus-Christ a fait la même chose. Quand il porte préminence dans son église,
même chose. Parce que les premiers et le deuxième dessert parlaient de la même chose. Mais les récipients étaient différents. Dans le premier dessert, il était dans son fils. Dans le deuxième dessert, il prend préminence dans son église pour s'exprimer. Vous voyez? Il dit ceci. Qui a été sur le fils de l'homme? Et qui est maintenant venu loindre le fils de l'homme pour produire de nouveau un ministère correspondant parfaitement à ce qu'il avait annoncé. Ceci, afin que la tête et le reste du corps puissent s'unir. Donc, le ministère du Fils de l'homme, c'est pour accueillir la tête. Vous comprenez? Vous voyez la pyramide. Premier au troisième chapitre. Toute la pyramide. C'est le fait de la Odyssée. Apocalypse 1 à 4. Et la paix de fête, c'est Apocalypse, c'est le 7e saut. Et entre tous les deux, il fallait le ministère du Fils de l'homme qui servait de coup pour accueillir la tête. Qui est la tête? C'est Jésus. Qui est le corps? C'est son église. Et ma tête, c'est moi. Mes pieds, c'est aussi moi. Donc toute l'église ensemble avec Jésus, c'est Jésus. Mais mon corps ne peut rien faire sans que ma tête puisse réfléchir. Parce que c'est le centre de l'information. Le centre de la commande. Qui me dit quoi faire? Vous comprenez? Donc Jésus, c'est Jésus, la tête qui commande le corps. Oui. Voilà pourquoi il a dit. Saul, pourquoi me persécutes? Saul persécutait les chrétiens. Jésus ne dit pas pourquoi tu persécutes mes enfants. Il dit pourquoi me persécutes? Moi Jésus. Mini Jésus. Dans les disciples. Parce que si vous venez, vous me pétinez à mon pied, vous me fâchez. Même si vous ne touchez pas ma tête, c'est toujours moi. Vous touchez l'un des enfants de Dieu. Vous touchez à Dieu. Même un petit là, il est passé quelque part là. Vous pensez que c'est un petit garçon. Mais à lui, il y a la semence de Dieu. Vous touchez à lui, vous touchez à Jésus. Écoutez, c'est bien dit. Mais Dieu est encore là pour produire cela. Remarquez, qu'est-ce qui se produit? Il finit par reprendre de nouveau la forme de la semence originale. Il prend la forme de la semence originale. Parce que la semence a été plantée dans le premier âge. Jésus dit, vous êtes avantagé que je m'en aille. Parce que j'étais homme. Dans la chair, il ne pouvait pas habiter les disciples. Pierre dit, Seigneur, personne ne te touchera. Il dit à Pierre, arrière-moi Satan. Amen. Et Pierre n'a pas quitté l'église. Pierre savait que son corps était Satan. Et Jésus poursuit. Il dit, parce que tes pensées sont les pensées des hommes. Fondamentalement, c'était bien. Il voulait défendre. Il voulait défendre son maître. Mais il n'avait pas la révélation du plan de la rédemption. Parce que si Pierre empêchait ça, moi je ne serais pas racheté. C'est en quoi il était Satan. Mais malgré ça, il n'a pas écouté. Il dit non, je vais te défendre. Et ce jour-là que c'est mané, ce monsieur venu, il a coupé l'oreille. Jésus regarde. Pierre, remets ton épée.
dans son four. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une bataille charnelle. Les gens qui sont venus tuer Jésus, Jésus était tellement bon. Il prend l'oreille. Il le remet. Amen. Frère, vous venez pour arrêter quelqu'un. On coupe l'oreille. Il prend l'oreille. Il le remet. Vous avez toujours le courage d'arrêter quelqu'un. C'est là où nous parlons de la semence prédestinée. Si le diable est destiné de vous détruire, il le fera toujours. Parce que vous n'êtes pas mieux que Jésus. Jésus les a guéris. Il les a donné le pain à manger. Mais à la fin, on l'a crucifié. Exactement. Branham a guéri le malade. Mais à la fin, il a été rejeté. Le frère Branham a dit que Dieu retire l'homme. Mais l'esprit reste. Le diable aussi. Il retire l'homme. Mais l'esprit reste. Alors que Dieu est venu sous la forme de Martin Luther. Dieu est revenu sous la forme de qui? De Martin Luther. C'était Dieu. Mais Luther, il fumait. Il avait beaucoup de femmes. Mais Dieu est revenu sous sa forme. Les femmes même n'ont pas choisi Luther. Par rapport à sa vie. Non. Luther se distinguait parce qu'il se tenait contre la dénomination. Il était contre l'église catholique. Mais il n'a prêché que la justification par l'homme. Même Irénée était choisi parce qu'il était. Il se tenait contre la dénomination. Le frère Branham dit que Polycarpe était l'élève de Paul. C'est lui qui avait été choisi. Oui, il connaissait tout près de la dénomination. Mais Irénée était contre la dénomination. Voilà pourquoi il a été choisi. Dieu est venu sous forme de Luther. Il est venu sous la forme de John Wesley. Il est venu sous la forme de la Pentecôte. Il doit se révéler de nouveau. Comme cette même semence qui est parce que la semence c'est quoi? Quand vous jetez la semence, quand vous avez les graines, c'est votre champ de maïs. Amen. Mais ce n'est pas encore prêt. Comment est-ce que vous savez que cela est prêt? Comment est-ce que vous savez que la moisson est prête? Lorsque vous voyez la reproduction de la même semence qui était partie à terre, ce n'est pas la même semence, mais celui, la semence qui revient est également la même à tout point. Durant les âges de l'église, le grain a été jeté. Le grain est pourri. On a introduit la dénomination. Les dogmes. Les credos. Les faux baptêmes. Dieu reconstruisait son église. Arrivé à Luther, c'était parce que l'âge des sables, c'est les rescapés. C'était Dieu. Arrivé à Wesley, c'était toujours Dieu. Mais ce n'était pas tout. Il fallait arriver à un ministère qui soit semblable au ministère du grain. Et quand cela arrive, comme c'est le fils de l'homme qui était jeté à terre, c'est lui qui revient pour être le fils de l'homme. Il doit manifester lui que nous sommes de il s'est révélé comme fils de Dieu. Au long des âges. Au long de l'âge de la tige. Mais en ce dernier âge, il doit se révéler de nouveau comme fils de l'homme. Vous saisissez l'assemblée dit amen. Très bien. Comme au commencement. C'est cela. Nous avons vu le ministère du fils de l'homme comme cela a été au temps de Jésus. Et ce ministère-là revient pour clôturer la 70e semaine. Quand vous le voyez, dites-vous que
sa dixième semaine est clôturée. Nous passons à autre chose. Amen. Que Dieu soit béni. Les femmes ont dit ceci. Dans la fin des trompettes, il y a tous les événements qui se passent là. Dans le ministère du Fils de l'Homme. C'est ce que le frère nous a dit. Maintenant, c'est la période de la paix à sortir. Au sixième jour, quand il s'est ouvert, la persécution a frappé les Juifs. Les Juifs ont été persécutés. Par Staline, et Mussolini, Hitler. Et le frère Madame dit, ils ont été persécutés sous le sixième sceau. Quand il s'est ouvert, la persécution a frappé les Juifs. Au point de vue littéral, voici la persécution de l'Église. Au point de vue ecclésiastique, en effet, l'épouse est déjà appelée. Les sabbats ont pris fin. Tout est prêt pour que les Juifs soient appelés. À quoi? À quoi? À la fête des expiations. C'est quelle expiation? C'est la parole de fête des chers. Parce que quand il est venu, ils l'ont rejeté comme leur expiation. Femme me dit, la plus grande erreur que les Juifs ont commis, c'était de dire que son sang retombe sur nous. Au lieu de s'arrêter là, et sur nos enfants. Voilà la chose qui avait inspiré Luther. Hitler. C'est la malédiction des parents. Pourquoi? Parce qu'ils avaient rejeté l'expiation. Vous êtes avec moi. Oh église, oh Kanisa, vous voyez ça, n'est-ce pas? Nous avons les idiots appelés à la fin de l'expiation. Quoi? Nini? Pour reconnaître l'expiation. Il va t'amouer et endoler les amis. Écoutez, plus de poulet. Et toi? Et ce qu'il faisait avant, l'agneau de Dieu immolé dès avant la fondation du monde. Israël reconnaîtra cela. Parce qu'avant Jésus, immolé les agneaux, c'était bien. Quand Jésus est venu, immolé l'agneau, c'est satanique. Parce que lui, il était l'accomplissement parfait de tous les agneaux immolés. Tous ces agneaux-là, une préfiguration de ce que Jésus devait être. Et quand la vraie chose arrive, il devait abandonner l'ancienne expiation. Immoler les soies, les agneaux, pour se tourner vers la parole qui est Christ. Il dit Israël reconnaîtra cela. Et le peuple nous dit ceci. Il parle de l'oiseau tacheté. Il dit pourquoi les gens ne connaissent pas l'oiseau tacheté. Il dit l'oiseau tacheté n'avait pas le sang. Mais on coupait. Pardon, je dis l'oiseau tacheté. On coupait la tête du premier oiseau. Qui était oiseau mal, mais on aspergeait le sang à cet oiseau-là. Et l'oiseau qui avait le sang, c'est lui qui faisait l'expiation. Pas avec son sang, avec le sang de l'oiseau mal. Et l'oiseau tacheté, on me dit que c'est l'épouse. Voilà pourquoi il a dit. Il a fait 7 fois le tour du monde. Et le sang qui est aspergé, c'est la parole. Parce que la chose qui vous rachète, c'est la parole. Dieu ne voit pas un homme. Tu
Asperge le sang. Cela vous donne l'expiation. Dans la prédication, message de l'église 54, il dit ceci: au milieu de cinq chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fiston. Il dit quoi? Quelqu'un qui lui ressemblait. Qu'est-ce que c'est? Son épouse. Quelqu'un qui lui ressemblait. Observez qu'est-ce que c'était. Vêtu d'une robe qui descendait jusqu'aux pieds. La sainteté de Jésus-Christ l'encouvrant. La fête de nos péchés. Dans son propre sang. C'était où? Dans les âges. C'est là qu'il a accompli la rédemption des chantiers. Et vêtu d'une longue robe ayant la ceinture d'or sur la poitrine. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine, comme de la neige. La justice, la sainteté, ce que les blancs représentaient. Amen. Sa perruque, c'était blanc. Ça représentait quoi? La justice, la sainteté. La justice, la sainteté. Donc, quand nous voyons l'âge et comment le juge suprême descendre avec la perruque blanche, la signification de cette perruque, c'est la justification et la sainteté. Ça vient où? Dans les croyants. C'est la chose qui vous rend saint. Amen. Et je dis, c'est pour ça que c'est saint. Parce qu'à la croix, il nous a racheté. Dans le sein de l'église, il nous a racheté. Il nous a donné sa sainteté. Et vous n'êtes pas des pécheurs. Parce que vous avez sa sainteté. Amen. Les porteurs. Amen. Les femmes ont dit ceci. Du coup, ça m'a dit. En parlant de l'oiseau tacheté. Cinq identifications de l'église du Dieu vivant. 178. C'est toujours tacheté. Qu'est-ce que c'était? Je ne suis pas d'accord avec l'homme qui disait que c'était faux. L'oiseau tacheté de la Bible. Qu'est-ce que c'était? Ce n'était pas Israël. Ce n'était pas Israël. Mais c'est l'oiseau tacheté qui fait l'expiation. Comme on l'a dit, c'était l'église de Jésus-Christ. Comme sacrifice d'expiation. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait une tourterelle, il sautait la tête de l'une, il la renversait et il répandait le sang sur sa tête. Celui qui est mort pour toi, ce n'est pas William Branham. C'est Jésus qui est l'oiseau mâle. Et sa tête coupée, on prend son sang, on verse sur l'épouse. Et c'est elle qui fait l'expiation. Voilà pourquoi, dans le sens de l'Église, c'était la fête des sabbats. Après la fête des sabbats, les trompettes. Les trompettes servent à appeler Israël. Pourquoi? Pour retrouver l'expiation. Il les appelle à la fête des expiations. Ils les occupent à la fête des tabernacles. Et ça sera la fête des tabernacles. C'est ça l'expiation. Écoutez ceci. Les sacs sur sa compagne du ventre. Il est d'amour.
compagne. Elle la compagne aspergeait du sang de son compagnon mort. Ça n'allait pas courir la terre. Ça n'allait pas courir la terre. Pour faire quoi? Pour asperger le sang. Qu'est-ce produit le sang? L'expiation. Le ministère du Fils de l'homme nous amène dans la fête des expiations. Ça n'allait pas courir la terre. L'aspergea de ses ailes en volant. Il dit ceci. Et le sac qui arrosait la terre criait. Saint, saint, saint et l'éternel. Saint, saint, saint et l'éternel. Amen. Amen. Il le fait. Pour produire l'expiation. Vas-y, tout hasard est donné. Cela devait arriver. Il va sortir là. À la première semaine. Instruction de Gabriel à Daniel. Gabriel à Daniel. Ça n'a rien à voir avec les nations. Les sept poussons. Les sept fléaux. Les sept malheurs. Les sept trompettes. Non, absolument rien à voir. La vie des nations sera dans la gloire à ce moment-là. Rien à voir avec nous. Les trompettes. Les sauts. Les fléaux. Rien à voir. Et pourquoi vous avez fait peur des fléaux? Rien à voir avec l'Église. Parce que l'Église sera dans la gloire à ce moment-là. Rien à voir avec nous. L'Église des nations. Il ne s'agit là que d'Israël, Daniel et ton peuple. Cela devait arriver jusqu'à la plénitude de temps. Qu'est-ce que la plénitude de temps? Maintenant, expliquez-nous. La demeure future. Il est par ici. Il dit ceci. Maintenant, là, un faisait un tissu. C'est appelé, si vous prenez ça en note, c'est appelé, pas une dispensation, pas le septième jour, c'est appelé la plénitude du temps. Je vous avais dit que pour Dieu, le temps, ce n'est pas la montre. Quand vous dites que vous avez 50 ans, pour vous le temps, c'est 50 ans.
avant 50 ans, vous étiez où? Dans l'éternité. Vous êtes dans la chair. Vous marchez. Quand vous mourrez, vous allez où? Dans l'éternité. Et ici, c'est la dispensation. Pour nous montrer que le temps déterminé par Dieu prend sa fin à la clôture de la 70e semaine. Écoutez. Quand il n'y a plus de temps là, vous entrez dans l'éternité. Une fois le 7e âge de l'église terminé, on a lu ici que Jésus était dehors, mais dedans, il y avait encore les semences prédestinées. Il devait sortir. Que Jésus ne rentrera plus dans l'âge de la Odyssée. Comme je l'avais dit, quand on est en dessinant les âges, il laisse la lumière de l'âge de la Odyssée. Dieu dit, si je laisse ça comme ça, c'est une erreur. Il descend lui-même. Il ajoute tout. Laissez-moi, c'est lui. Oh, est-ce que le dernier élu n'est pas appelé? Oui, monsieur. C'est Noé. Il est le dernier à entrer dans l'âge. Le dernier élu, c'est Noé. Tout celui qui est appelé est une semence prédestinée. Voilà pourquoi juste aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher la parole. Nous prêchons à qui? Aux semences prédestinées. C'est que nous appelons un réveil. Celui qui n'a rien en lui ne peut pas se réveiller. Écoutez ceci. C'est Noé. L'âge de la Pentecôte est terminé. Et maintenant vous entrez dans quoi? C'est Branham. Oui. Ils sont dans l'éternité. Yes. Où il n'y a pas de temps. Amen. Ça, c'est William Branham. Ça, ce n'est pas moi. Il est comme Mimi. Ça, ici, c'est la prise de conscience. À partir d'aujourd'hui, sachez-le. Que l'homme de chair là, ce n'est pas vous. Parce que vous, vous n'avez ni commencement, ni fin. Vous n'avez jamais commencé, vous ne finirez jamais. Vous reconnaissez simplement qui vous êtes. Écoutez, où il n'y a pas de temps, avec le nombre et le temps et tout. Vous le voyez maintenant. C'est cela, mes frères. Le dernier élu. C'est Noé. Écoutez, ça c'est ma dernière citation. On avait dit que le ministère du Fils de l'homme, c'était le ministère du coup. C'est le frère Branham qui le dit. Le coup, Chingo, ça c'est la tête. Il est qui toi? Ça c'est le corps. Il est un homme sans coup n'a pas de forme. Un démon. Qui c'est? Comme Jésus est un homme, il doit avoir le coup. Son coup, c'est le ministère du Fils de l'homme. Sans le retour du ministère du Fils de l'homme, Jésus serait un monstre. C'est le frère qui le dit. Et ensuite observer les œuvres. Qu'elle fait. Sa présence parmi nous prouve que c'est même Jésus qui a vécu jadis en Palestine. Que le même esprit qui était sur lui est monté progressivement dans le corps. Les sept couleurs. Dans le corps jusqu'à ce qu'il soit à la direction entière. À la tête de nouveau. Il va bientôt venir prendre possession du corps. Amen. Amen. La tête vient vers le corps. Amen. Vous
vous saisissez, ce sera le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de David, le Jésus, la rose de Saron, l'église de la falaise, l'étoile du matin. C'est le même Jésus. Quand il revient pour manifester le Fils de l'homme, c'est dans le but de clôturer la 70e semaine. Et quand vous arrivez là, le temps prend fin. Cela nous introduit dans l'éternité. Ou soit, ça nous rend conscient de notre éternité. Amen. Voilà la chose. En clôturant. Parce que je finis bientôt. Écoutez. Daniel 7. Daniel 7. 9. J'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes au pluriel. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Et les cheveux de sa tête comme la laine pure. Son trône était comme les flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Ça, c'est Jésus juge. Ça, c'est Apocalypse chapitre 10. Quand il est là, la Bible nous parle encore du Fils de l'homme qui apparaît dans la nuit. Quand il revient là, c'est pour accomplir le troisième dessein qui est le rétablissement du royaume. Dans le cœur des croyants. Ou encore dans l'âme. Amen. Voilà le ministère du Fils de l'homme. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Il y a que les enfants de Dieu qui peuvent écouter ces histoires. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous devez vous réjouir. Lorsqu'on parle des trompettes, des fléaux, dehors, on ne cite même pas. Dehors, ils savent que trompette, c'est le vuvuzela. Ah, où vous êtes, tu vas quand même le baragoumou, ni à coupiga pou. Mais si Branham n'était pas venu, nous ne connaîtrions pas. La kini kama Branham mais angé kuyaka na shia tuge juaka yini. Amen. Amen. Rappelez-vous de Actes chapitre 2 verset 5. Nous kumbuki le matin de mitou mais sur la bible nous savons pas non. Les Juifs qui sont venus de toutes les nations sur la terre. Wa yaudi yabo walitoka mukona zote za ulimwengu. Des hommes pieux. Watu watakatifu qui sont venus à Jérusalem. Ambao walikuja Yerusalemu. Des hommes pieux. Watu watakatifu. Non, pieux. Watauwa. Des hommes pieux et plus qu'un saint. Amuto mtauwa iko zika mtakatifu. Il est pieux, c'est qu'il est irréprochable. Yeye mtauwa maana hakataka moja. Il n'est pas saint. Yeye haiko mtakatifu. Un homme saint, celui qui a été sanctifié. Amuto mtakatifu. Il ne faisait pas ça. Ne leur a pas dit. Ne volez pas. Ne mentez pas. Il leur a dit. Ce Jésus. Vous avez Christ. Il leur parle de la divinité. Écoutez ce que la Bible dit. Ils eurent les cœurs vivement touchés. Ce qui touche les cœurs, c'est le mystère de la divinité. Et lui ont posé une question.
question. Que ferons-nous? Ça, c'est pas fini. Que sont Dieu? Pierre leur dit. Abandonnez le système de notre création. Des hommes Dieu. Pierre leur dit. Vous êtes des pécheurs. Répandez-vous. De quel péché devrait-il se répentir? Ah ouais, pas ça pour tout vous amis. Non. Il faut bien comprendre. De quel péché devrait-il se répentir? Des amis. Ah ouais, pas ça pour tout vous. C'est le système judaïque. Ah ni le monde. Ah mais des nana ouais qui ouvre la bouche. Dans lequel ils étaient. Ah mais pour embrasser l'expiation. Le message de et c'est pourquoi le Seigneur nous envoie les serviteurs de Dieu. Ces gens ici. Vous amenez la véritable expiation. Quand vous comprendrez cela, le diable ne vous dominera plus. Le diable vous dit que votre ennemi c'est votre frère. Regardez d'abord le frère de votre frère. Il y a d'autres frères, quand ils regardent son frère, tout le visage n'est pas beau, il s'en aille. Et la haine commence. Il n'aillera pas de feu parce qu'il n'est pas beau. Non, le gros nez qu'il a, c'est le Seigneur qui l'a dit. Mais en dessous de ce gros nez, il y a la théophanie. Et c'est celui-là ton frère. Le pèlerin pour l'éternité. C'est une grande joie, je vois. Amen. J'ai toujours dit aux frères ici, évitez de prendre des petites maisons. Un salon où si quelqu'un doit entrer, il faut que toute la famille s'élève d'abord. Et quand vous prenez cette maison, vous commencez à prier. Seigneur, donne-moi le congélateur. Le Seigneur vous les donnera. Mais il vous posera une question. Il va les mettre où? Commencez d'abord par prendre une grande maison. Et achetez maintenant les histoires dans la maison. Amen. Vous voyez, je parlais, n'est-ce pas? Vous avez compris, hein? Acclamez le Seigneur. Il y a autre chose, pasteur Aaron. La pierre de fête. Croyez-vous la pierre de fête? La statue de Daniel. C'est nous qui l'appelons la statue de Daniel. Mais c'est la statue de Nebuchadnezzar. C'est pas Daniel qui a eu le sens. C'est le Nebuchadnezzar. Le Babylonien. Le Babylonien. Le païen. Pagani, l'Odyssée, l'Odyssée. Il a vu la pierre descendre. C'est pas Daniel. Sans le secours d'aucune main. C'est pas Daniel. Le rôle de Daniel, c'était seulement lui interpréter son son. C'est lui qui a vu ça. Ce n'est pas Daniel. C'est Nebuchadnezzar. Amen. Amen. Un homme ne croit pas. Branham Hamini, que la pierre la Odrico, est descendu. Il chouka sans le secours d'aucun. Bida Moussaada, il m'a dit qu'il n'y a pas. Amen. Ok. Amen. La Bible. Monsieur. Non, il comprend. Comment la terre va s'amener elle-même? Comment la terre le septième jour ramène Jésus sur la terre. C'est le mystère. Ce n'est pas la pierre. Non. Ça, Nebuchadnezzar peut voir. Il est Nebuchadnezzar, il peut voir. Il peut voir. Il peut voir. Mais il n'est pas capable de voir celui qui appelle la pierre. Il y a quoi? Il est Nebuchadnezzar. Salut. Ce n'est pas la pierre. Mais ici. C'est lui qui appelle la pierre. Amen. Et à l'église, tous attendent Jésus.
Il n'y a pas de problème. Mais vous n'attendrez pas Jésus sans William Branham. S'ils ne sont pas sauvés, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas Jésus. C'est parce qu'ils n'ont pas vu la main qui appelle la vie. Nous étions quelque part dans une vallée. Et il s'était comme si c'était la fin du monde. Et tout le monde avait peur. Et j'étais vu faire le signe. Dans le ciel. Et Dieu a appelé la prière. Amen. 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 Parfois j'ai dit des choses, c'est sans erreur. Vous l'avez dit, non? Dernièrement, je parlais de lui avec le pasteur Bamelo. Ah, parce que ça a été quoi dans mon musée et hier, nous avons tué le Bamelo. Chez Tabernacle. Subitement, il est venu. Voilà, on a parti la capitale à Rabo. Je disais au pasteur Bamelo. Et quoi, nous avons tué le Bamelo? Il y a les gens qui sont nés. On a voit qu'on voit les amis, on a bien touché. Amen. Amen. Pasteur Gilles, tu vas dire Pasteur Bamelo. Quand je citais ça, il est venu. Pourquoi c'est une fois qu'on attaque à la bouche? Alors, c'est bon. Tu vois, tu vas dire le jour dit. On a envie de se mettre à tout. Oui, Jésus vient. Amen. Il y a des gens qui sont nés pour dire. On a voit qu'on voit les amis, tu as oublié les souris. Ça c'est vrai. Il a démontré un peu. La parole, c'est la symphonie. Amen. C'est la musique, c'est le changement des. On est avec ton frère et ta soeur, tu lui le pasteur a monté ça. Allez, nous venons de là. De Christ à Donat. Pascal et Christo. Je suis surpris. Nous chanda. Je vois que Christ a donné. Que Dieu bénisse tous les frères et toutes les sœurs de Christ a donné. Amen. Je vais appeler un autre moi-même. Amen. 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 Lui, c'est le nom de ma famille. Dieu te bénisse. Amen. Tous ces hommes, s'ils ont parlé de la part de Dieu, mais c'est pour toi. Amen. Je me sens d'un coup différent. Amen. Juste en montant ici, je me sens différent. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 L'objectif. Lengo. L'objectif. Lengo. Par excellence. Il y a Ubasana. Il y a Jouka. Dieu. Il y a Mungu. De tous ces mystères. Il y a ici les autres. C'est toi. Amen. 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 Si tu es malade, maintenant, comme le Seigneur est là, quand le pasteur prêchait, je vais dire quelque chose que je ne veux pas dire. Mais je vais le dire. Le frère Branham avait des mystères. Mais quand Dieu lui disait de ne pas dire, il le disait. Parce que vous êtes le centre. Tu es le centre de la vie de Dieu. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Amen. Amen.
Inclinez la tête. Mon ami, c'est dit, John. C'est ça, je le connais, n'est-ce pas? Joy, il est là, mon Dieu. Il est ce qu'il dit. Et Dieu va le faire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes dans une urgence. D'autres serviteurs, que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur le bénisse. Parce que le pasteur doit rentrer. Nous devons apprêter les valises. Afin qu'il traverse pour rentrer. Il y a vous qui na Burundi. Pour le reste, soyez unis sous la parole. Chini ya neno. Amen. Et que votre communion ne se brise jamais. Na usijivunje kamwe. Soyez un. Mwe mtu mmoja. Selon la parole. Kulingana na neno. Soyez un. Mwe mmoja. Amen. Amen. Salut celui qui est à côté de vous là. Salut mwe yo karibu yako hapo. Nous avions prié pour l'enfant de la brebis du pasteur Eric. Qui était dans un état d'agonie. Cet enfant la mange, marche, il va déjà bien. Il a déjà de très bonnes nouvelles. Amen. Amen. Le Dieu le bonhomme. C'est notre Dieu. Et il faut qu'on le voie. Il n'a pas tout le monde. Devez le voir. Entrez dans la paix du Seigneur. Nous retrouvons ici le mercredi. Le vendredi. À 16h pile. Sakumi Kamili.